Oui. Non! Arrête! Non! Oh. Les policiers ont procédé à l'interpellation d'un suspect dans l'affaire du meurtre de la petite Émilie Malinowski. Il reconnaît qu'il était là-bas, mais il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Je sais que sans ADN, il va nous falloir ses aveux circonstanciés. Arrête, Richard! Calme-toi! Calme-toi! Daniel Ekman, la cour et les jurés vous condamnent à une peine de réclusion criminelle de 30 ans, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans. Monsieur, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je veux vous dire qu'il arrive parfois qu'un homme que tout accuse ne soit pas le coupable. Demandez-vous si vous pourriez vivre avec l'idée que le coupable se trouve quelque part autour de vous et qu'il peut recommencer. Armand Salinas a commis son premier meurtre d'enfant alors qu'il n'avait que 20 ans. Je me suis goinfré toutes les pièces du dossier. Je pense que ce meurtre présente des similitudes avec celui d'Émilie. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là ? Une cousine de Salinas habite à 15 bornes de l'endroit où Émilie a été trouvée. Capitaine Malinowski ! Est-ce que votre cousin était ici en juin 2003 ? Écoute-moi, Steph, je sens quelque chose. Monsieur Salinas, avez-vous tué cette petite fille ? J'ai des enfants, je l'ai déjà fait. Celle-là, je l'ai pas tuée. Tous les éléments que j'ai récoltés accusent Salinas ! Tu te cours en cherchant quelqu'un d'autre. Tu veux que l'homme qui a tué Émilie soit libéré ? Ce que je veux, c'est le vrai coupable, c'est tout. Je comprends pas ce qui t'arrive. T'as pété les plombs ?